Bien. Tout d'abord, merci de cette introduction chaleureuse et sympathique. Merci aussi aux collègues qui m'ont invité, le directeur du laboratoire, Camille Desanglos aussi pour sa gestion efficace, et puis aussi aux collègues, et puis merci aux étudiants aussi d'être venus pour écouter. Je sais pas si, j'espère que ça va être intéressant, mais bon, ça on ne sait jamais. Et on m'a demandé de ne pas parler trop ou ni trop peu, si je vais tenter de parler en une heure et quart, faire une sorte de panorama de la question des révoltes d'anciens régimes. Et j'avais posé la question, produit-il une culture, c'était plutôt l'orientation du groupe de recherche que vous avez évoqué. Et en même temps, je sais qu'il y a un programme du CAPES à l'agrégation, donc je me suis dit, je vais peut-être en dire deux, trois, pas du programme, mais j'ai avancé quelques éléments. Et puis en même temps, c'est un petit peu une initiation à la recherche. Alors je donnerai moins du contenu de l'apprentissage que des pistes de réflexion. Je pense, hein, j'espère que ça sera cela. Donc, et puis vous l'avez souligné effectivement, l'anachronisme est indispensable en histoire. L'essentiel, c'est de savoir qu'on fait un anachronisme pour pouvoir resituer. Et vu la situation actuelle, on nous pose souvent la question c'était aussi violent sous l'ancien régime, etc., etc. Alors, pour introduire, j'ai mis cette photo d'époque. L'appareil photo était très bon. C'est un peintre, évidemment, Mico Spadaro. Alors, je m'excuse, je vais faire beaucoup d'allusions à Naples parce que quand on travaille sur les révoltes, on prend toujours un cas spécifique qu'on creuse. Pour ma part, j'ai creusé un cas, celui de Naples en 1647-48. Je connais un petit peu d'autres révoltes quand même, mais c'est quand même le domaine que je connais le mieux, sans aucun problème là-dessus. J'ai mis donc cette image de Mico Spadaro qui se trouve au musée de San Martino à Naples et qui nous montre bien sur cette diapo tous les stéréotypes à propos d'une révolte populaire. Tous les stéréotypes, on voit une sorte de foule agglomérée, c'est affolato, c'est noir de monde. La plupart du temps, ils sont de dos, vous remarquez, hein, on voit pas, beaucoup sont de dos, on les voit pas, ils sont un petit peu anonymes. Ce qu'on voit, les visages, comme ici, ne sont pas discernables, on voit pas bien les traits du visage. On voit un mouvement, et ce mouvement, vous l'avez deviné, c'est pas la Révolution française avec les pics et les têtes qu'on met au bout des pics, hein. C'est Naples 1647, juillet 1647, si je me trompe pas, après le 7 juillet 1647. Bon, on se fiche complètement de la journée, etc. Mais on a ici une foule anonyme, concentrée, qui massacre. Vous voyez une tête ici, je pense. J'espère que c'est assez clair. Vous voyez un corps traîné, hein, etc. Bon, je vais pas détailler énormément. Si, les seuls visages qu'on voit, ils ont la bouche ouverte. Ici, il y a la bouche ouverte. Vous savez bien qu'une foule ne parle pas, hein. Le peuple ne parle pas. Il vocifère. Il crie, il hurle, il massacre. Le poids de l'oralité est énorme. Alors, il y a une dernière chose quand même qui est un petit peu plus, je ne sais pas si plus important, mais qui nous intéresse largement, c'est le fait qu'on a un orateur qui est sur une estrade, et cet orateur, c'est très certainement Masaniello, qui harangue la foule. Vous savez, dans les mouvements populaires, l'oralité est essentielle, hein. Même encore maintenant, je ne ferai aucune comparaison avec ce qui se passe maintenant, mais on a besoin de porte-parole, ceux qui parlent le mieux, mais pour autant, ce n'est pas toujours ceux qui sont le plus cultivés ou quoi que ce soit. Je ne vous parle pas de culture, vous remarquez, ou alors la réalité serait de la culture. Et je vais faire une chose qu'il ne faut surtout pas faire en cours, ne pas définir les termes du sujet. Donc je ne définirai pas ce que c'est que la culture, quoi, j'en reparlerai à la fin quand même, mais je ne définirai pas tout de suite. Par contre, j'ai proposé effectivement dans l'argumentaire ce sujet-là, parce que on a peu de sources, vous l'avez dit, la plupart des sources sont les sources des vainqueurs. On verra qu'il faut nuancer, les sources sont peu nombreuses, c'est pas faux, ce sont les élites surtout qui écrivent, c'est pas faux, mais c'est pas complètement vrai. En même temps, les traces des révoltés ont disparu, la preuve que c'est pas complètement vrai, on en a, je vous en montrerai d'autres aussi. Ça vient du fait que la notion de culture même doit être étendue. Alors vous êtes proche de l'Allemagne, c'est facile. Le mot culture en allemand, c'est beaucoup plus les mœurs, les coutumes, etc., qu'en français où la culture, c'est la culture des élites avec les musées. Par contre, en bon étudiant, je vais vous proposer d'abord de définir une chronologie. Je crois que c'est essentiel parce qu'on n'a pas pris avec un programme de recherche, c'est quoi? C'est un programme, enfin, tout un programme, qu'est-ce qu'on veut étudier, de camp à camp, sur quel espace, sur quelle thématique. On s'est retrouvé à une vingtaine de Français, une vingtaine d'étrangers, on a eu la chance d'être financés pendant 3 ans et demi pour travailler sur cette thématique. Alors vous allez voir à la fin quelle est la thématique, mais d'abord une chronologie qui n'est pas une chronologie très très catholique, ou du moins très orthodoxe, excusez-moi. D'abord le début du sujet, le 14e siècle, vous allez me dire c'est la médiévale. Non, c'est de la moderne. À partir de 1348 et la Grande Peste,
Non, je ne sais pas si la moderne ne dit pas ça, mais des médiévistes, bien entendu, mais on a une prolongation, évidemment, de la société féodale, la seigneurie existe toujours jusqu'en 89, etc. Par contre, on voit apparaître le premier élément, à savoir les jacques. Les jacques, ça vous dit à tous quelque chose. La grande jacquerie de 1358. Dans les campagnes d'Île-de-France, en Picardie, en Champagne, en Artois, en Normandie, on voit se soulever des paysans et on leur donne un nom. On leur donne le nom des Jacques, Jacques Bonhomme. Alors Bonhomme, c'est qui ? Un bonshomme, on pourrait dire de nos jours. Un anonyme à qui on donne un nom le plus commun possible, Bonhomme, même Jacques, nom assez commun, sobriquet pour désigner le paysan français. Alors, on a des images de l'époque, hein, pas des photos, on va pas dire ça, mais voilà, les Jacques et leurs alliés parisiens sont surpris par une charge de la cavalerie, de la chevalerie, excuse-moi, c'est la même chose, des nobles, à bout portant, alors qu'ils donnent l'assaut à la forteresse du marché de Meaux, 9 juin 58, d'accord ? Ou encore à côté, l'assassinat d'Étienne Marcel, le prévôt des marchands de Paris, que l'on voit ici, après l'assassinat des maréchaux du dauphin, le futur Charles V. De fait, on a ces Jacques qui existent bien, je crois, oui, qui existent bien, qui sont présents. On a des mouvements populaires paysans dès le XIVe siècle, je crois, qui sont vraiment importants. En 1381, on a aussi un mouvement des paysans en Angleterre, à peine 30 ans, 33 ans exactement, après la révolte des Jacques en France. Je vous ai mis ici une photo d'époque encore, qui est une enluminure évidemment. Les rebelles de Wat Tyler, que vous connaissez peut-être, je pense, dans une miniature de la fin du XVe siècle. Alors, il faudrait l'expliquer, ça fait l'objet d'un article d'une collègue. Mais vous remarquerez qu'on voit très mal les paysans ici. On voit plutôt un groupe armé, on voit plutôt le souverain, on devine la ville de Londres. On représente rarement le paysan comme étant un paysan à l'époque. On pourrait multiplier les exemples de ce milieu du XIVe siècle. Je pense à l'Italie, bien entendu, la révolte de Colla di Rienzo. Vous connaissez peut-être C-O-L-A, plus loin D-I, Rienzo. Et on a toute une mythologie, alors là c'est encore plus passionnant, toute une mythologie romaine, mais au sens antique, qui revient avec le Sénat, etc. Je passe là-dessus. Du moins, on peut voir se multiplier ces révoltes avec des sources relativement abondante pour un médiéviste, rare pour un moderniste, mais je ne vais pas parler de la révolte des Rustauds en Alsace, que vous connaissez tous, je pense. Puis on peut continuer au cours du XVIe siècle, la révolte des Gautiers en Normandie, 1595, des Croquants, je pense qu'on vous en a parlé, je ne vais pas insister trop. Alors les Croquants, vous pensez les Croquants, un président avait dit dernièrement les 100 dents, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais ce n'est pas grave. Mais on retrouve toujours cette image de ces gens qui se nourrissent mal, ou ces abrutis quasiment, les taravisiers, on les appelle parfois, ces croquants. Alors, 1595, 1624, 1635, 1643, dans le Rouergue, le Quercy, le Limousin. Bon, je ne vais pas vous faire la liste, vous la trouvez dans le bouquin d'Yves-Marie Berset, qui est très bien fait, qu'il a dit il y a 40 ans, mais qui est toujours très bien fait. On donne à chaque fois des sobriquets à ces révoltes, parce que ces gens-là, ce n'est pas grand-chose, c'est du petit peuple, hein, quasiment de un gilet jaune. Si c'est ce qu'on a tous dans la voiture, c'est dire si ce n'est pas un niveau très, très. Bon, les Lanturlus à Dijon, les Nupiers. Alors, ça, c'est chez moi, les Nupiers, bah, c'est les gens qui récoltent le sel sur la grève pour Nupiers, évidemment, parce que le sel, et l'eau de mer détruit tout. C'est 139 à Avranches, je leur ferai une. Les Lustucrues. Bon, j'insiste pas trop là-dessus, mais on va. Vous le savez tous, ce sont des révoltes. Pas très original, antifiscal, bon, bien, je ne fais aucune allusion, ou bien des révoltes de la disette, des révoltes de la faim, qui arrivent très très souvent, comme en Guyenne en 1547, les Nupiers contre la Gabelle, la Fronde, ah, c'est une révolte contre une taxe pour les riches, c'est pas une taxe anti-écolo, hein, mais c'est la révolte sur les immeubles à Paris qui déclenche. D'accord. J'insisterai pas non plus sur les processus, vous les avez vus en cours, mais quasiment toutes ces révoltes sont déclenchées un jour férié la plupart du temps, un dimanche, bien souvent, un jour de marché comme à Avranches, comme à Naples, etc. Au moment de la soudure, vous le savez aussi, la soudure, ce moment où les prix sont le plus élevés en attendant les moissons, hein, au mois de mai, juin, juillet, 89, 14 juillet, Naples, 7 juillet, à Avranches, les Nupiers. Naples, c'est 147, c'est le 6 juillet, si je ne me trompe pas. À Avranches, c'est le 16 juillet 1639. Bon, on est au moment où les prix des blés sont les plus élevés, où le gasoil, excusez-moi, où les aliments essentiels créent des tensions sur le marché. On le retrouve sans arrêt. Alors, on retrouve d'autres exemples, mais vous regardez Yves-Marie Berset, rôle des femmes, j'en dirai un mot tout à l'heure, qui est très important, le rôle de la rumeur, le toxin, etc., etc. Donc,
du milieu du XIVe siècle jusqu'à... Bah, quel est mon terme ? Mon terme, c'est la fin du XVIIe siècle ou le début du XVIIIe siècle. Vous allez me dire, c'est un petit peu bizarre de se dire que l'Ancien Régime se termine avant la Révolution française. C'est pas vrai, l'Ancien Régime se termine pas, mais la notion de révolte se modifie, à mon avis, considérablement. Révolte ou révolution se modifie considérablement à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle. Une petite citation d'un grand théologien français que vous lisez tous les soirs pour vous endormir, Bossuet, confesseur du roi de France, évêque, écrit le 21 mai 1687. « Je vois un grand combat se préparer contre l'Église, l'institution, avec un E majuscule, sous le nom de philosophie cartésienne. Je vois naître en son sein et des principes, à mon avis, mal entendus, plus d'une hérésie. Et je prévois que les conséquences qu'on en tire contre les dogmes que nos pères ont tenus la vont rendre odieuse et faire perdre à l'Église tout le fruit qu'elle pouvait espérer pour établir dans l'esprit des philosophes la divinité, l'immortalité de l'âme. De ces mêmes principes mal entendus, un autre inconvénient terrible gagne sensiblement les esprits. Car sous prétexte qu'il ne faut admettre que ce que l'on entend clairement, alors tout le monde se rappelle de ces philosophies, hein, ce qu'on entend cogito ergo sum, pas de problème là-dessus, ce qu'on entend clairement, chacun se donne la liberté de dire « j'entends ceci, je n'entends pas cela ». Et surtout, sur ce seul fondement, on approuve ou on rejette tout ce qu'on veut. En un mot, ce que nous dit Bossuet, c'est que les Lumières sont déjà arrivées, quand on est quand même 60 ans avant. Hein. Mais le cartésianisme est déjà tout de suite perçu par Bossuet comme une rationalité qui conteste les formes traditionnelles de pensée, les préjugés ou les superstitions, diraient les gens des Lumières. N'employez pas ce mot-là, c'est un mot péjoratif, bien entendu. De fait, je vous ai pris Bossuet comme limite, mais c'est faux. En histoire, vous savez que les limites sont toujours fausses. Alors je vais vous dire que c'est faux. La preuve, c'est que le premier travail d'analyse des textes, tout le monde sait ce que c'est que l'exégèse, c'est le travail sur les textes sacrés. Mais le travail de philologie, on dirait de nos jours, commence réellement avec Lorenzo Valla, que vous connaissez certainement, je pense, celui qui a démontré la fausseté de la donation de Constantin, mais pourtant qui était à la chancellerie pontificale. Hein. Donc on retrouve le milieu du XVe siècle. Et puis est-ce qu'il faut aller jusqu'à Richard Simon, que vous connaissez peut-être aussi, Richard Simon qui a démontré que la chronologie de la Bible était fausse. Non, Moïse n'a pas vécu au moment où la Bible le dit. Et il a démontré, dans une chronologie scientifique, que la Bible était source d'erreurs chronologiques. L'histoire de l'humanité ne se résume pas à l'histoire sainte. C'est quand même considérable. Tout d'un coup, on va penser l'histoire différemment. Mais j'ai envie de penser aussi l'histoire différemment avec Richard Simon. Mais tout ça pour vous dire, si nous avons collectivement choisi la fin du XVIIe siècle, c'est parce qu'il y a une expression qui a été prise par Paul Hazard, un historien d'il y a plus d'un demi-siècle maintenant, qui nous parle d'une crise de la conscience européenne, à savoir que fin XVIIe, début XVIIIe, on a eu une pléthore, alors j'ai mis les trois grands noms peut-être que vous connaissez déjà, une pléthore d'intellectuels qui se libèrent. Alors c'est méchant, si je vous dis qui se libère de la gang médiévale, vous allez croire que je suis contre la monarchie absolue. Or peut-être je suis pour, ça vous le savez pas. D'accord ? Donc, mais du moins qui s'affranchissent des règles traditionnelles de la pensée religieuse. Ces trois-là sont Baruch Spinoza, que vous connaissez certainement, Spinoza est très très à la mode. Bon, j'ai pas le temps d'en parler, puis on n'en parlera pas du tout, mais vous trouvez plein de romans qui sont plus ou moins bons. Pierre Bayle, un Spinoza juif qui est contre l'orthodoxie juive dans les Provinces-Unies. Pierre Bayle, un protestant exilé en Angleterre, sous Louis XIV, c'est à peu près normal. Et puis, un petit peu plus tard, Montesquieu, mais je pense à Montesquieu, puisque Montesquieu écrit ses œuvres majeures entre 1720 et 1750, d'accord ? Donc, on a là un faisceau quand même, c'est pas une même génération, il y a des petits écarts d'âge, mais on a un faisceau de personnages qui nous montrent que la perception des temps historiques... Bon, je vais pas les toucher, je vais bouger, ce sera plus simple. La perception des temps historiques est complètement bouleversant cette fin du XVIIe siècle. L'attente de la parousie, de la fin du monde, de l'apocalypse, ça vous dit quelque chose ? L'attente du Messie, hein. On s'entretue lors des guerres de religion parce qu'on attend, on sent que c'est bientôt la fin. Eh bien, cette attente prend fin à partir de ces grands intellectuels. Ça a des conséquences très très importantes pour les révoltes parce que ça bouleverse le cadre mental. À partir de,
je ne sais pas à partir de quand, est-ce qu'il faut le dater, mais à partir de la fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle, on a des révoltes qui changent de cadre intellectuel, de cadre mental au pluriel. La chronologie elle-même est modifiée. En un mot, l'attente linéaire de l'avenue du Messie ou d'une salvation des âmes se trouve modifiée et on cherchera de plus en plus une idée de progrès, une idée d'amélioration, avec des mots d'ordre, des revendications, peut-être. En un mot, l'éternel retour, pas l'éternel retour, mais la fin du monde est moins présente et on va revendiquer peut-être un petit peu plus. C'est ce que nous dit aussi Bossuet et ce que nous dira aussi Montesquieu. De fait, pour la notion de révolte et de révolution, ça a des conséquences extrêmement importantes. Je vais pas revenir sur, je reviendrai après sur les termes eux-mêmes. Mais du moins, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, pour une grande partie, pour l'écrasante majorité, ou début du XVIIIe siècle, la révolte ou la révolution relève de l'accomplissement d'un cycle. C'est-à-dire que les astres ont des conséquences énormes. Ici, je me suis permis de mettre une petite image dans un livre espagnol, excusez-moi, je suis un peu spécialiste de l'Espagne, mais qui est produit à Lyon, entre autres, d'Andrés Mendo, qui nous montre ici l'éclipse du soleil ou l'erreur du roi est fatale au peuple. C'est quand même stupéfiant, ça. L'éclipse du soleil, vous la voyez tous ici, d'accord ? Vous voyez ici la monarchie, vous voyez le peuple assemblé ici. Et qu'est-ce que nous dit cet auteur-là ? L'éclipse du soleil est pernicieuse à la terre, aux plantes et aux hommes. Et vous savez, les bêtes sont en moitié furieuses lorsque ça arrive. Elle cause des dérangements, cette éclipse, et des maladies dans les corps, l'infertilité dans les fruits, l'altération dans l'air. Et bien souvent, elle est le présage de discorde, de rébellion, de guerre et de malheur qui provoque l'ébranlement des âmes qu'influence l'éclipse. Que tu vois ici, peinte, c'est le soleil, le roi de la terre. Et donc, on est à l'époque de Louis XIV, ce n'est pas très étonnant, mais on attribue toutes ces mutations aux astres. À partir de la fin du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, ça dépend des endroits, ça dépend des lieux, ça dépend des gouvernants, ça dépend des révoltés eux-mêmes, ça va changer en grande partie ici. En même temps, on a voulu, dans ce programme de recherche, s'arrêter au début du XVIIIe siècle, excusez-moi, pour éviter de prendre la Révolution comme modèle. Parce que bien souvent, dans nombre d'histoires de la Révolution, vous avez trouvé, alors pour ceux qui sont pour la Révolution française, cocorico, les Français sont les meilleurs, on est les premiers à être libérés, d'accord ? Évidemment, pour les Anglais, cocorico, non, il ne faut pas cocorico. Mais bon, les Anglais diront que c'est la première grande révolution, c'est la glorieuse révolution anglaise. Les Italiens diront que la révolte est une révolte anti. Bon, je passe là-dessus. On a voulu tenter d'éviter cet effet boule de cristal, de regarder le passé à partir de la Révolution française ici. De fait, voilà pour la définition de la chronologie ici. Néanmoins, il est clair que toute l'historiographie repose sur les acquis de nos prédécesseurs. Je vais en dire un mot tout de suite. Il existe une historiographie des révoltes. Et je pense particulièrement ici avec la grande problématique de la violence et de la foule, telle que c'est représenté. Une historiographie donc qui nous montre de manière coutumière, habituelle, la foule qui est, je vous l'ai dit, anonyme, vociférante, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais bien souvent la nuit, la foule qui incendie les maisons ou qui les pille, comme on l'a vu. Alors maintenant, c'est les voitures qu'on détruit à Naples, c'est les palais. Hein. Bon, mais chacun son goût. Bien souvent, on va employer tout un registre pour dénoncer ces révoltés des voyous, des casseurs. Alors à l'époque, on ne dit pas des casseurs, on dit des lazzari à Naples, hein, d'accord ? Bon, des jacques, des croquants, comme vous voulez, des contrebandiers, des gueux. Vous avez vu, je pense, les gueux, hein, à propos des Brins-Unis. C'est pas bien gentil non plus de les traiter comme ça. Bon, du moins, on cherche à disqualifier sans cesse les révoltés. C'est logique, on l'a dit déjà, la plupart du temps, mais pas toujours, les témoignages viennent des élites possédantes. Lire et écrire, ça suppose un capital, alors bon Dieu dirait un capital culturel, je ne le dirais pas pour l'ancien régime parce que c'est un petit peu gênant, mais on dépose un capital tout court, un palais à Naples, je ne sais pas, des belles voitures sur les Champs-Élysées, quoi que ce soit. Du moins, on va décrire les émeutiers un petit peu comme BFM le fait actuellement, c'est-à-dire on va montrer les choses sensationnelles et on ne va pas voir quelles sont les revendications, quelles sont les conditions de vie. Alors, pour autant, on a toute une tradition qui va du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, pour dire. Que nous dit Tommaso Campanella ? Vous connaissez peut-être Campanella, un dominicain calabrais, un petit peu fou, mais passionnant à lire, qui, lui, vit dans le monde
d'une cosmogonie des astres. Il nous dit, le peuple est un énorme et inconstant animal qui ne connaît pas sa propre force. Et quand vous déclenchez les grèves, quand vous déclenchez la révolte, c'est ce qu'on vous dit à ce moment. Hein. On ne sait pas comment ça va se terminer. C'est vrai, on ne sait pas. Pour autant, est-ce qu'il faut traiter cette masse de gens qui protestent d'inconstant animal? C'est un petit peu difficile, mais on va le retrouver ailleurs. Un aristocrate révolutionnaire, ça arrive de temps en temps, à Naples, cette populace qui a l'imitation de la mer n'a aucun mouvement naturel et ne s'agite que par accident et par le souffle impétueux des vents divers qui la dominent, obéit ou plutôt vola avec autant de fureur que de diligence vers les couvents où l'on disait que ses deux frères s'étaient cachés. Les deux frères, c'est des gens qui sont contre la révolution napolitaine. Là encore, on vous montre cette masse comme étant quelque chose d'inconstant, incapable de dominer, de savoir ce qu'elle veut ou quoi que ce soit. Et puis, on peut prendre l'un des plus beaux exemples que vous avez déjà certainement vu en cours, peut-être. Hein. Thomas Hobbes, effectivement, le frontispice du Léviathan, le peuple n'a pas de visage. Le Léviathan, c'est cette bête dans la Bible dont le corps est composé d'écailles. Dans le frontispice du Léviathan, le corps est composé, à chaque écaille, c'est une tête d'un individu. Mais ce n'est qu'un corps. Et vous connaissez bien entendu la place inférieure donnée aux membres du corps par rapport à la tête. La métaphore corporelle est bien connue. Et on disqualifie de cette manière-là, encore une fois, les révoltés. Alors, évidemment, le pauvre Hobbes, évitez de dire ça dans une copine, mais du moins, Hobbes a eu une vie quand même un petit peu troublée, comme beaucoup d'Anglais pendant la guerre civile. Et vous connaissez peut-être cette citation par laquelle il dit « La crainte et moi, nous sommes deux jumeaux ». Et évidemment, il préfère une bonne monarchie absolue que pour une protection, une sécurité, plutôt qu'une révolution telle qu'il y a eu lieu en Angleterre dans les années 1640. Alors, il est réfugié en France, vous le savez certainement, et il écrit le Léviathan en 1651. Le roi vient de perdre la tête 2 ans avant, donc une vie difficile. De fait, on a une population révoltée qui est associée à la plèbe vociférante, aveugle, violente, idiote, qui parcourt toute l'historiographie. Je n'insiste pas trop là-dessus, mais pensez aux éléments naturels hein, qui sont omniprésents dans l'image de la foule. La foule ne pense pas, il utilise les éléments naturels. Je pense le feu purificateur, la foule incendie, c'est une évidence. Où on en a peur, et c'est un accident, mais elle ne le maîtrise pas. La mer, les astres, vous trouvez toutes ces choses-là ordinairement. Tout ça, ce sont des évidences totalement fausses, évidemment, comme toute évidence. Autrement, la Terre serait le centre du monde. Ces évidences sont rarement remises en cause, mais même de nos jours, quand on écoute les informations, ça dépend de ce que vous écoutez, évidemment, mais faites attention, soyez précautionneux là-dessus. De fait, dans notre pays, l'historiographie prend souvent des révoltes et des révolutions, prend souvent son envol, non pas au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. On ne s'occupe pas trop d'historiographie. On invente même l'histoire au XIXe siècle, vous le savez très certainement. La Révolution française n'y est pas totalement indifférente, puisque les programmes d'histoire dans les collèges sont inventés il y a pile 200 ans. On est en train de commémorer ça en 1818. Et entre autres, il faut peut-être se souvenir des horreurs de la Révolution française. Vous le savez bien, je ne parle pas de l'abolition des droits féodaux, je parle des massacres, et tout le monde retient la guillotine, qui est pourtant un progrès pour l'époque, contrairement aux écartèlements, mais on retient cela. Vous savez tous que l'agrégation d'histoire est créée en 1831, par exemple. Et je pense à ces grands historiens du XIXe siècle qui nous font tout un tas d'histoires de la Révolution française ou de la Révolution tout court. Alors, l'un des grands... Bien entendu, ce sont quasiment automatiquement des historiens conservateurs qui vivent les révolutions de leur temps, qui sont assez difficiles. Mais on ne peut pas ne pas parler, je crois que je l'ai mis en diapo. Non, je ne l'ai pas mis en diapo, si, voilà. Hippolyte Taine, par exemple, que vous connaissez peut-être, 1828-1893, qui est l'un des grands auteurs de manuels. Je ne sais pas quel manuel vous employez de nos jours, mais à l'époque, on a le fameux manuel Origi, quoi. Plus qu'un manuel, quand même, c'est une grande œuvre. Mais totalement réactionnaire au sens propre du terme. Origine de la France contemporaine, 1878. Et il écrit, comme si j'avais eu... Alors, excusez-moi, j'ai une citation avant, j'étais un petit peu trop vite. Comme si j'avais eu pour sujet les révolutions de Florence ou d'Athènes. J'estimais trop mon métier d'historien pour en faire un autre en me cachant. Et il commence comme ça, ce sont les origines de la France contemporaine, mais on est en 1878. 7 ans après... La Commune de Paris, d'accord ? L'un des pires mouvements, vous savez qu'ils ont incendié les Tuileries, les fameuses refaits de sang, Louise Michel et compagnie, une horreur, d'accord ? Et alors, il ne nous le dit pas, mais alors lui nous dit, je serai objectif, mais que nous dit-il à côté de ça sur la foule ?
Ben, évidemment, l'expérience de la commune est une expérience traumatisante quand même. Alors, plus encore pour certainement les communards qui ont été massacrés, mais bon, passons. Comme un éléphant domestique qui tout d'un coup redeviendrait sauvage, le peuple d'un geste, jette à bas son cornac ordinaire. Le cornac, hein, celui qui guide l'éléphant, le roi, hein, bien, là c'était l'empereur, passons. Et les nouveaux guides qu'il tolère, juchés sur son cou, ne sont là que pour la montre. Dorénavant, il marche à sa guise, l'éléphant, affranchi de leur raison, livré à ses sensations, à ses instincts et à ses appétits. Là encore, on a cette foule qui est quasiment infâme, encore, qui est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, j'ai envie de dire. Sauf que là, c'est les Champs-Élysées, non pas à l'époque, c'était les Tuileries. Alors, thème continue encore très largement, et il n'est pas le seul, il va désigner dans cette foule un certain nombre d'acteurs extrêmement négatifs. Parmi ces acteurs, excusez-moi, mesdemoiselles et mesdames, les femmes, effectivement, sont des furies. Alors, on a l'exemple dans la commune, mais à Naples, j'ai retrouvé nombre de femmes qui interviennent sur le marché. Qui est-ce qui fait les courses la plupart du temps? Ce sont les femmes. Qui est-ce qui sont les premières à protester contre la hausse du pain, du prix du pain, des légumes, etc. Ce sont les femmes. En 1639, le 16 juillet, à Avranches, que vous connaissez tous, une très belle ville que je vous conseille de visiter, ce sont des femmes encore qui protègent. Lors de la Révolution française, le 6 octobre, qui est-ce qui va chercher le boulanger, le petit mitron et la boulangère à Versailles? Ça vous dit quelque chose? La marche des femmes sur Versailles. Bien. Et qui ramène le roi à Versailles pour l'empêcher de je ne sais pas trop quoi faire. Bien. Eh bien, au 19e siècle, c'est le moment où on va comprendre que les femmes ont un rôle, les femmes sont hystériques, excusez-moi, les femmes sont quasiment animales, lubriques, primitives, barbares, sauvages, excusez-moi, mademoiselle. Mais on le voit bien, entre autres, dans toute l'analyse qu'on a au XIXe siècle scientifique, avec Charcot, la neurologie, les femmes, l'hystérie est féminine. Alors tout, bien entendu, vous avez compris que c'est ce qu'on dit au XIXe siècle. Hein. Je vous rappelle que les femmes n'ont pas le droit de vote, ne peuvent pas travailler sur l'autorisation du mari, etc. Mais c'est où on mélange historiographie et premier progrès scientifique, l'hystérie est féminine. Et toutes les insultes qu'on nous représentantes à l'Assemblée nationale en tant que députés, parce qu'elles ont une voix plus aiguë, c'est des choses. Alors de nos jours, c'est un machisme considérable. Je crois que c'est punissable par la loi du sexisme. Mais à l'époque, pas du tout. Et je pense à l'un des premiers grands traités, du moins qui a un écho énorme, c'est pas l'un des premiers grands, mais un écho énorme, c'est le traité de Gustave Le Bon. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, Le Bon, L-E, plus loin, B-O-N, qui écrit Psychologie des foules, 1895, et qui analyse tous les traits de ces foules, mais alors il psychologise tous les préjugés sur la foule. Entre autres, un dénommé Adolf Hitler sera un adepte de tout ce qu'il y a sur les foules, impulsives, mobiles, irritables, crédules, impressionnables, etc. En un mot, toutes ces visions-là sur la foule atroce sont des visions totalement stéréotypées. Totalement stéréotypées. Quand on analyse les grèves de la fin du XIXe siècle, décrit ici bien Zola, etc., eh bien, ça a été fait par une historienne que vous connaissez tous de nom, Michel Perrault, qui a étudié un peu plus de 2900 mouvements de grève et de manifestations populaires dans la deuxième moitié du XIXe siècle, eh bien, elle compte sur ces 2900 mouvements une seule victime, d'accord ? Donc, relativement limitée. Pour vraiment avoir une démythologisation, ou du moins démystification plutôt du rôle de la foule, il faut attendre un auteur dans les années 1930. C'est pas très étonnant, hein, parce qu'il y a juste au moment du mouvement du Front populaire, on a tout un mouvement populaire qui commence à s'enclencher. Georges Lefebvre, un Lillois, entre autres, qui écrit un très très grand livre, La Grande Peur. Ça vous dit quelque chose, La Grande Peur? C'est l'inventeur de l'expression La Grande Peur. Pendant tout l'été 89, les paysans se soulèvent, les paysans. Nombre de paysans, pas tous les paysans, mais nombre de paysans dans les villages. On prend la faux, la faucille, la fourche et compagnie, et on va au château. Soit le seigneur est un peu éclairé, peut-être qu'on peut négocier. Soit il n'est pas éclairé, on incendie le château. Et surtout, ce qu'on veut incendier, ce sont tout. Alors, c'est là ce que Georges Lefebvre montre très bien. Bien entendu, ce sont des mouvements spontanés. Mais ce sont des mouvements violents, spontanés, mais pas sans sens. Ils ont une signification, ces mouvements-là. Évidemment, ils s'attaquent à des catégories précises, à savoir le terrier, là où on a les droits féodaux qui sont les archives, si vous préférez, bien entendu, les symboles de la domination seigneuriale. Combien de colombiers, combien de fourches patibulaires sont brûlées, désignant évidemment les éléments. Alors, autre chose que montre Lefebvre, c'est que le fameux complot populaire contre la noblesse est complètement faux.
il n'y a eu que des rumeurs, il n'y a eu que des craintes, et le peuple a pris les armes là-dessus dans différents endroits. Alors, la carte vous montre, entre autres, nombre d'épicentres de ces rumeurs populaires qui ont peur des nobles et qui vont s'attaquer au château, etc. Alors, moi, ça m'a beaucoup amusé, parce que j'ai eu l'impression de faire du Georges Lefebvre, puisque dans la Révolution napolitaine, j'ai retrouvé strictement la même chose, les mêmes mouvements. Alors, je vous ai mis la carte que j'ai faite à gauche. Qu'est-ce qui se passe en juillet 47 à Naples ? À Naples, c'est le 7 juillet que se déclenche la Révolution, 6-7 juillet. En France, c'est le 14 juillet. Mais juillet-août à Naples, chaque petit point rouge, c'est soit un château incendié, soit un couvent, parce que vous savez que les couvents peuvent être seigneurs aussi, hein, des droits seigneuriaux, un couvent incendié, soit une municipalité incendiée, c'est-à-dire les élites urbaines. Et vous voyez que ça couvre, il y a 12 provinces à Naples, ça couvre ces 12 provinces. On retrouve de la même manière cette grande peur. Et dans, alors est-ce que c'est tout simplement cette bête furieuse de la foule qui s'en prend aux oppresseurs de manière sanglante et sanguinaire ? Peut-être, mais elles ne seront pas d'objectif. Ce n'est pas la maison du voisin qu'on brûle, ce n'est pas la vache du voisin. C'est le château, le palais, le couvent, là où on tient les actes ici. Donc c'est un élément assez important. Il y a un dernier, je crois pas, si je l'ai cité, alors je vous le cite quand même, pensez sur la foule, on a ce très grand livre de Georges Rudet, un anglo-saxon, La foule dans la Révolution française, qui montre aussi que la foule n'est pas aussi anonyme, aussi abrutie qu'on montre tout le temps. Je pense entre autres à la duchesse de... Celui qui a fait les contes Moreau, le cinéaste. Excusez-moi, c'est pas grave. Contes d'été, contes d'hiver. Pardon ? Romer écrit, merci. Éric Romer, qui dans La Duchesse montre entre autres. Les royalistes Romer, mais c'est pas grave. Le peuple est en arrière-plan, toujours tout noir. Ou dans le Danton de Vajda, on retrouve ça. Bon. Eh bien, lui, il montre que cette foule existe. Cette foule a un sens. Cette foule, on peut la découvrir. On peut l'identifier, etc. Sans aucun problème. Alors, Tim Harris le montre aussi pour l'Angleterre, mais bien plus récemment ici. Du moins, ce qui est intéressant, je vais presque en terminer, non, pas tout à fait en terminer pour la foule, mais c'est que il y a une logique des foules. Retenez-le bien, quand on vous dit ce sont des voyous, des casseurs, ils font n'importe quoi, il n'y a pas d'irrationalité. Ça, aux observateurs extérieurs, l'irrationalité paraît irrationnelle. Mais quand on est dans le mouvement, alors je ne vous dis pas que je suis dans le mouvement, pas du tout, mais on a des logiques. Alors pour ça, je crois qu'il y a un auteur qui fait fureur en France, du moins chez une partie des historiens. Je pense que ce n'est pas absurde ce qu'il raconte, c'est un Anglais qui est décédé maintenant, qui s'appelle Edward P. Thompson. D'accord ? Qui a écrit Les luttes sociales dans l'Angleterre du XVIIIe. Je n'ai pas réussi à découvrir la jaquette originale, mais Thompson, entre autres, avance une notion, alors peut-être que vous l'avez déjà vue en cours, je ne sais pas, peut-être que je répète des choses, non ? Il avance une notion qu'il appelle l'économie morale de la foule. Et je trouve que c'est une notion assez opératoire pour l'Ancien Régime, comme peut-être pour après, ça je suis moins pas contemporanéiste, je laisserai mes collègues en parler. Mais pour l'Ancien Régime, c'est assez opératoire. Et je pense particulièrement, entre autres, à la guerre des farines, mais même pour Naples, ça correspondrait très très bien là-dessus. Cette économie morale de la foule, elle repose sur quatre principes ou quatre logiques qu'a démonté Edward Thompson. Ces quatre éléments, c'est d'abord l'affirmation d'un droit prioritaire de la communauté. Chaque communauté estime avoir le droit, prioritairement, de s'approprier les ressources produites localement. Vous voyez, mais ça, c'est le produisant français, oui, un petit peu. Quoi, produisant alsacien, d'abord, quoi. Produisant mulhousien, excusez-moi. Bon, du moins, surtout sous l'Ancien Régime, on le voit, on n'a pas le droit d'exporter les blés alors qu'on n'en a pas assez chez nous. Et ça, c'est une revendication. Quand je me rappelle, en 1639, je ne me rappelle pas. Mais en 1639, on brûle des bateaux qui doivent partir pour l'Angleterre, surtout pas donner ça aux Anglais. Parce que... Deuxième principe, le souci du juste prix. Qu'est-ce que le juste prix ? C'est le gasoil qui ne doit pas être aussi cher. Excusez-moi, je suis hors sujet. C'est le prix du pain lors de la Révolution française. C'est, alors, à Naples, en 1647, c'est les choux, les pastèques, les artichauts, ça, tous les fruits et légumes, comme on disait à l'époque, les raisins, qui ne doivent pas être à un prix trop élevé. Autrement, on condamne à la mort la communauté. Ça se trouva pendant la Révolution française, hein, sur les édits, sur les prix. Quoi, actuellement, on repart de mettre les loyers fixés. Troisième principe, la foule réunie, ou les contestataires, les croquants, ce que vous voulez, vous prenez les gilets jaunes, je m'en fiche, la foule réunie manifeste son intention de châtier ceux qui tirent profit de la misère populaire. Et on va brûler
Je ne sais pas si vous avez un 4x4 BM, planquez-le. Bon, vous voyez ce que je veux dire. À Naples, ce sont plutôt les palais. Lors de la Révolution française, ce sont les aristocrates. La foule, à chaque fois, désigne la vindicte. Il faut une justice. La justice, il faut punir. Il faut châtier un certain nombre de gens. C'est le troisième principe qu'on trouve. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, surtout pas. Il n'y a aucune notion là-dessus. On cherche à disséquer à peu près ces mouvements-là. Dernier principe, la foule affirme sa conviction d'agir en toute légalité. Elle prétend que puisque les autorités refusent d'appliquer la justice, d'appliquer les lois, eh ben la foule va le faire elle-même. Ça, c'est fondamental. Alors moi, j'ai vu une affiche dernièrement, parce qu'il y a une émission là-dessus. Je vois une affiche à Montreuil, je vois un parti politique, je ne sais pas lequel. Non, racket fiscal. Le racket, c'est quoi? C'est du vol. Moi, je suis contre le vol. Donc j'ai le droit de m'insurger. On est d'accord là-dessus, je pense. On l'a tous ici. De fait, la violence vient principalement de la volonté de châtier les responsables, de s'attaquer à ceux qui se sont injustement enrichis selon les émeutiers. Alors, c'est le cas à Naples, c'est le cas à Paris, c'est le cas dans de nombreux endroits. Et ce que la société, en même temps, c'est là où il faut se méfier, ce que la société retient, a posteriori, c'est ce qui est le plus visible. Je pense, entre autres, bah, puisque je suis de Caen, vous savez peut-être que Charlotte Corday était à Caen, moi, ça m'a sidéré, je dis toujours à mes étudiants, Charlotte Corday, cette femme qui a tué un journaliste. Alors, ils me disent, mais c'est pas possible, elle a eu raison, Marat, c'est un assassin. Non, Marat, c'est d'abord un journaliste, hein, excusez-moi. Bon, c'est pas grave, mais ce qu'on a retenu de la Révolution française, surtout maintenant, depuis 89, ce sont les horreurs de la guillotine. Je dis pas que c'est bien de guillotiner, étant contre la peine de mort, mais bon, c'est pas le problème, c'est qu'on a retenu ça, mais on a pas retenu les droits féodaux, on a pas retenu la fin des corvées, je passe là-dessus, etc., etc. Bon, du moins, la notion de violence dans les révoltes est toujours à interroger. Méfiez-vous-en de quel côté qu'on soit, méfiez-vous. Il faut interroger cette notion de violence. Et entre autres, en histoire moderne, on a la chance d'avoir des grands historiens. Je pense particulièrement à toutes les violences avec leur sacralité. Alors, la sacralité est toujours très très présente, même encore maintenant. Quand dernièrement, j'ai entendu, dimanche soir ou lundi, je ne sais plus, un ministre parler de la profanation de l'Arc de Triomphe. Mais c'est un mot du sacré, hein, la profanation. On est dans le sacrilège. Quand on se fiche complètement des quatre morts qu'il y a eu depuis. Excusez-moi, je ne fais pas d'histoire contemporaine. Mais du moins, retenez que le sacré est fondamental. Il y a certainement, entre autres, il y a un historien qui est fondamental pour bien comprendre ça. Et puis l'avantage, c'est qu'on apprend beaucoup de vocabulaire quand on lit. C'est Denis Crouzet. Vous avez peut-être entendu parler de Denis Crouzet. Avec les guerriers de Dieu, je vois qu'il y en a qui sourient et qui connaissent déjà. Tant mieux, ne lisez pas plus d'un chapitre à la fois, parce que on s'enrichit tellement avec le vocabulaire de Denis Crouzet, c'est extrêmement bien écrit, à tel point que je prends le dictionnaire pas plus de 20 fois par page. Mais il faut absolument lire Denis Crouzet, parce qu'on est tellement plus intelligent après avoir lu Denis Crouzet, qui nous explique comment la violence permet, alors lui, il emploie le terme de recharge sacrale. On a enfin cette punition collective qui permet à la communauté de se purifier. Alors, je ne ferai pas de Denis Crouzet, parce que je n'ai pas le temps. Ça fait déjà 40 minutes que je parle, j'en suis pas à la moitié. Mais notez que c'est vraiment quand même très, très important, cette purification. Mais qu'est-ce que c'est que cette purification? Quand je suis au Stade de France, que je brûle un drapeau français, j'ai la foule contre moi qui va se purifier en se vengeant contre ma propre personne, parce que je ne respecte pas la sacralité du drapeau français. Hein. Excusez-moi, moi, je suis toujours choqué. De la présence du sacré, choqué peut-être parce que j'ai d'autres sacralités, peut-être chez moi, il faudrait faire une psychanalyse, mais du moins, notez que la sacralité est toujours présente dans ces mouvements de violence. Et il faut, nous, quand on les interprète, se méfier. En tant qu'historien, je ne dis pas qu'en tant que personnalité citoyenne, hein, ça, ce n'est pas le problème, on s'en fiche ici, mais en tant qu'historien, méfions-nous de cette sacralité. Voyez les mythes fondateurs de la République française. Lisez René Girard, par exemple. On verra ces choses-là. La deuxième chose, en même temps, qu'il faut se méfier à propos de la violence, c'est que le mot lui-même est un mot piège. C'est un mot piégé, le mot violence. Y a un bouquin qui n'est pas traduit en français, qui est en italien, en espagnol, en anglais, de Francesco Benigno, B-E-N-I-G-N-G-N-O, qui s'appelle « Les mots du temps, lexique pour penser l'histoire ». Entre autres, il y a un chapitre sur la violence qui est un très beau chapitre. Alors, si vous lisez l'anglais, l'italien, l'espagnol, c'est très bien. L'allemand, je ne crois pas que ce soit traduit. Mais il nous montre bien, entre autres, comment notre réaction à la violence est systématiquement une réaction émotionnelle et quasiment liée à notre mémoire en même temps. D'accord ? Et par exemple, si je vous parle de massacre, immédiatement, vous allez me parler de la Shoah ou quoi que ce soit, quasiment systématiquement. Non pas pour, je ne veux pas dire qu'il faut nier quelque chose, mais on n'a pas une réaction
neutre, objectif. Il nous faut disséquer l'histoire exactement comme le font les scientifiques. Alors, vous allez me dire que je vais être positiviste à ce moment-là. Mais le mot de violence, quand vous l'employez, c'est un mot qui vient du mot de viol. Le viol, c'est une transgression. Il y a systématiquement une condamnation de l'acte d'emploi de la force quand vous employez le mot de violence. La violence, c'est la transgression et non pas le consentement. Et quand j'ai les forces de l'ordre, c'est que ces forces de l'ordre exercent un pouvoir légitime, il n'y a pas de transgression. Quand ces forces de l'ordre, qu'on devrait appeler, retourner, on devrait maintenant, je trouve, les appeler comme avant, les gardiens de la paix, c'était quand même un peu plus sympa, mais c'est pas grave. Quand ces forces de l'ordre exercent une force indue, on appelle ça des violences, d'accord ? Ce sont les violences policières. Autrement, elles agissent légalement, c'est la force, d'accord ? Donc faites attention, je crois, ce terme de violence est un mot déjà qui prend parti, qui est déjà... Par contre, la force illégitime, alors vous dites, là, je suis en train de couper les cheveux en quatre, oui, mais à part quand je parle de violences policières, vous voyez de quel côté je me place. Si je vous parle de la violence des casseurs, vous voyez de quel côté je me place. Donc des deux côtés, les mots sont piégés. D'accord ? Donc faites bien attention à ces termes-là, je crois. Les mots ont un sens, ou plutôt des sens, il faut absolument les employer à bon escient. Puisque je parle des mots, deux, trois petites choses sur les mots. Oui, si, deux, trois petites choses, je suis à peu près dans les temps quand même. Deux, trois petites choses sur les mots qui sont importants. C'est essentiel de bien parler, on le sait tous. Les mots sont les peintures de l'historien, si on veut faire un peu de poésie, d'accord ? Et plus les couleurs sont riches, plus les mots de l'historien sont riches, plus ils sont précis, et mieux c'est. Et de fait, dans les révoltes et les révolutions, les mots sont fréquemment imprécis. Et puis, mais moi, j'emploie les termes de manière imprécise, entre autres parce qu'ils ont une histoire, ils sont souvent polysémiques. Alors, vous l'avez vu certainement en cours, je ne vais peut-être pas trop insister là-dessus, mais deux, trois petits mots quand même. Voilà tous ces termes qui recouvrent les révoltes et les révolutions. Une révolte, une révolution, une émeute, une émotion, une insurrection, un soulèvement, une guerre civile, une rébellion, une sédition, des tumultes, les turbulences. Alors, les turbulences, vous ne voyez pas beaucoup, mais en Italie, moi, je les vois beaucoup plus. Les désordres, la chienlit, alors, on est gaulien. Les événements, hein, 68, là, il ne s'est rien passé, c'est des événements, comme disait Coluche avec un Z. Des mouvements, hein, il y a des mouvements aussi. Il y a des troubles, il y a des jacqueries. Alors ça, c'était les bonnets rouges il y a 3 ans ou 2 ans. Des manifestations, une agitation. Tout ça, ce sont des termes qui sont employés pour euphémiser le discours, ou du moins pour qualifier le discours, mais d'une manière sur laquelle il faut absolument être précis. Alors, je n'ai pas insisté trop, j'en ai déjà parlé, mais le terme, excusez-moi, le terme de révolution, je vous ai déjà dit tout à l'heure, c'est la révolution astronomique, c'est l'éternel retour. Hein, la révolte, la Volta, vous savez tout ce que c'est que la Volta, c'est quand Christophe Colomb va partir en 1492, en octobre, quoi, en septembre-octobre, il fait le tour avec l'anticyclone, les alizés. La Volta, c'est le grand tour de l'Atlantique pour tourner. Ou la Volta, c'est une danse aussi. Hein, on fait la Volta. La Volta, c'est un cercle, c'est tout. D'accord ? Et la révolution, c'est un cercle en forme d'ellipse, on est bien d'accord. Mais c'est le sens premier qu'on a ici. Et aucun dirigeant d'une révolte ou d'une révolution qui a gagné accepte qu'on qualifie son mouvement de révolte ou de révolution. Lorsque Jean de Bragance, qui prend la tête de la révolution portugaise en décembre 1640, réussit son coup, eh bien, il n'appelle surtout pas ça la révolution. Il appelle ça là, fort logiquement, restauration, d'accord ? C'est la restauration, on revient, c'est la révolution, mais à l'envers, d'accord ? Il n'y a pas de problème là-dessus, on est ici. En Angleterre, lorsque Charles II arrive au pouvoir en 1660, on appelle ça la grande restauration, d'accord ? Il n'y a pas de problème. Même en 1688, on veut absolument éviter de parler de révolution, on préfère parler de Bloodless Revolution, et on oublie, entre autres, on va dire qu'il n'y a quasiment pas de morts, ça, maintenant ça a été montré par l'historiographie, c'est complètement faux, mais on veut oublier qu'il y a eu des combats sanglants, que ces combats sont de plus en plus souvent interprétés comme étant plutôt la venue de 3-4 000 Hollandais, vous savez, Guillaume est Hollandais, et il y aurait quasiment une invasion de l'Angleterre, plus ou moins consentante, contre... Jacques II, qui était devenu catholique, etc., etc. Vous demandez aux Irlandais si c'est une révolution pacifique, ils vous diront que ça a été plus que sanglant pour ces Irlandais, qui sont tous catholiques, certes, mais quand même, c'est pas une raison pour les massacrer. Bien, donc je ferme la parenthèse là-dessus pour vous dire que le mot de révolte ou révolution n'est jamais accepté
par ceux qui en ont bénéficié par la suite. Le mot de révolution de nos jours, vous trouvez certainement des bouquins, on l'accepte quand elle a gagné, ou quand il y a une constitution, une vraie constitution avec un programme politique, que c'est plus seulement la foule complètement folle qui agit. Moi, en disant ça, si j'accepte de dire cela, c'est-à-dire que la révolution est déjà non pas confisquée, mais elle a déjà des porte-parole intellectuels qui sont capables de faire un programme politique. On n'en est pas loin en ce moment. Hein. Il faut un programme en 10 points, réforme constitutionnelle, comment on va s'organiser, quel type de parti, etc. C'est ce qui se passe à Naples à partir de décembre 1647. C'est ce qui se passe en France à partir de la Constituante, sous la Révolution française. Et là, on va dire, ah là, c'est la Révolution parce que c'est un grand mouvement. Avant, c'était qu'une révolte. Je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est mépriser ces révoltes, comme celle de Naples, qu'on dit que c'est la révolte de Masaniello. Moi, elle a une certaine ampleur, je passe là-dessus. La révolte serait de moindre ampleur, peut-être. Bon, on appelle ça la révolte de Masaniello. Masaniello meurt au bout de 9 jours, il est assassiné, et la révolution continue encore 9 mois. Bon, pourquoi on appelle ça la révolte de Masaniello? J'ai jamais su pourquoi. Moi, j'appelais ça Naples insurgé, mais passons là-dessus. On s'en fiche. Alors, il y a d'autres mots encore pires, mots sédits, quoi, pire. Plus connoté, sédition, par exemple, vous le savez tous, la sédition, c'est introduire la discorde dans une communauté, donc c'est du négatif. Le mot rébellion, alors le mot rébellion, c'est un mot un peu compliqué, vous le savez. Vous avez peut-être vu le bouquin de Jean-Nicolas, déjà, non? Jean-Nicolas est un grand historien français qui étudie 8500 rébellions en France au XVIIIe siècle. Vous l'avez peut-être appris, au XVIIIe siècle, on n'a pas de révolte en France. Traditionnellement, on dit que tout va bien en France au XVIIIe. C'est quasiment la paix, à part 2-3 petites guerres qui sont pas sur le territoire, guerre de 7 ans, guerre d'Amérique, guerre de succession d'Autriche, mais c'est pas sur le territoire français. Officiellement, au XVIIIe siècle, tout va mieux. Il n'y a plus de famine. La dernière paix, c'est 1720. Bon, et Jean-Nicolas démontre qu'il y a quand même 8500 rébellions. Qu'est-ce qu'une rébellion? Ben, normalement, une rébellion, c'est une... c'est un mouvement contre le pouvoir, contre l'autorité légitime. Vous connaissez tous la rébellion à Agen, elle touche pas ma voiture, etc. Tu m'as tutoyé, rébellion à Agen, boum, c'est liquidé. Bon, à part que si vous regardez bien, le mot rebelle, par contre, est un mot plutôt connoté positivement. Hein, on est d'accord? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis un rebelle, d'accord? Bon, il n'y a pas de problème là. On a tous un petit peu, c'est plutôt bien vu. Alors, c'est un petit peu bizarre sous le terme de rébellion. Ce rébellion, c'est plutôt connoté négativement et rebelle, un petit peu moins de nos jours au moins. Mais Jean-Nicolas, lui, montre qu'il y a beaucoup de conflits au XVIIIe siècle de petite ampleur. Et on l'a sans arrêt, et on pense particulièrement à une autre forme de rébellion qui est la délinquance, tout simplement. Mais un type de délinquance, pas le banquier Las, l'Écossais, hein, mais plutôt cartouche, hein, ou les trafiquants de cigarettes, ou les trafiquants sur le sel, ou la contrebande d'une province à une autre, puisqu'il n'y a pas les mêmes droits de douane. Et il nous montre qu'il y a un nombre de rebelles très très important. Il y en a qui préparent les concours ici, peut-être. Il y en a qui préparent les concours. Il y a Les Pendus de Londres, un bouquin qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, et qui nous montre comment en Angleterre, la peine de mort vise d'abord ces classes populaires rebelles. C'est-à-dire délinquantes quasiment, mais en même temps déjà rebelles. Donc la limite est assez étroite là-dessus. On pourrait multiplier ces choses-là, mais je ne vais pas totalement multiplier. Mais pour dire aussi deux mots encore, pensez l'émotion et l'émeute. L'émotion et l'émeute, on parle d'émotion sous l'Ancien Régime. Et l'émeute, c'est l'émotion aussi. Hein. Alors en même temps avec... qui peut se confondre, faites attention toujours aux mots. Le mot qui est à côté, c'est la meute. La meute, c'est négatif. D'accord. Donc, alors, ça n'a pas la même racine, hein, l'étymologie est complètement différente, mais méfiez-vous, parce que la meute, c'est... Ben, allez voir, c'est ces gens qui manifestent en foule comme des bêtes. Bon, je passe là-dessus. On a la même chose, j'arrêterai après ce mot-là, pour les troubles. Les troubles, bien souvent, ça va revenir du latin la turba, ou de l'italien les turbulences, si vous préférez. Et on va retrouver de la perturbation, turba, perturbation. Bon, je vais m'arrêter là, mais du moins retenez que ces termes-là sont toujours à employer avec une très très grande précaution, me semble-t-il. Ce que je voudrais plus dire maintenant, c'est que ces termes-là désignent à chaque fois le trouble général de l'ordre politique. Le trouble général de l'ordre politique, c'est-à-dire que le bien commun ne va plus. La chose publique est troublée, est émue, est en rébellion et en désordre, comme vous voulez. En un mot, la res publica ne va pas bien. La chose publique est mise en cause, soit de la faute des autorités, soit de ceux qui se révoltent.
Attention, vous savez que la chose publique, c'est un terme employé par tout le monde. Vraiment, par tout le monde, ça ne pose aucun problème. Un exemple, voilà un manifeste lors de la Révolution napolitaine. Ils ont eu le temps de faire des lois, de les imprimer, comme sous la Révolution française, hein, à Naples. Et vous voyez ici, manifeste de Gennaro Annesel, c'est le généralissime de cette très sérénissime royale régale République de Naples. Et ici, en bas, la même chose, « Di questa serenissima reale Repubblica di Napoli ». On peut être une sérénissime royale république de Naples, c'est pas un problème. Et il y aura même un jour un grand noble qui va se proclamer roi, il dira « sérénissime royale république ducale de Naples ». C'est pas un problème, on mélange un petit peu tous les styles. La république, c'est le bien commun. Le bien commun, c'est essentiel. Pensez absolument au même moment qu'à Naples, on est là, on est en 1647-48 à Naples, je sais pas la date de celui-là. Je ne la vois pas marquée, mais ce n'est pas grave. Ça doit être tout en bas, mais on s'en fiche. Oui, c'est, oui, 4 décembre 47. Au même moment en Angleterre, Charles Ier est emprisonné. Dans 1 an et 2 mois, il va perdre la tête. Et 4 ans plus tard, notre brave Cromwell va proclamer le bien commun, la santé commune en anglais. C'est quoi la santé commune ? Le common wealth. D'accord ? Ce bien commun, il est essentiel. Il faut le défendre absolument. Si j'insiste sur ce bien commun, c'est qu'on retrouve de nouveau la notion d'économie morale, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est la communauté qui doit être défendue. Quand les républicains de la Révolution vont arriver, ils vont s'emparer de cette notion qui est générale, qui est latine, qui est la chose commune, dont tout le monde se réclamait, et là, on va la modifier. D'accord ? Et on va la modifier. Mais ce bien que c'est, on veut défendre la communauté. Alors, je vous donne quand même 2 exemples de l'importance de la communauté, de l'idée de communauté, comme respublica, comme république. C'est d'abord la guerre des paysans. La guerre des paysans, c'est chez vous, si je ne me trompe pas, quoi. C'est pas très loin, quand même, Saverne et compagnie. Hein. Donc, la guerre des paysans, fin 15e et surtout 1525, on l'appelle la Bauernkrieg seulement à partir de la Révolution française. Avant, on ne l'appelle jamais de cette manière-là. On l'appelle, je lis mes notes parce que mon allemand est très très mauvais, alors je pense qu'il y en a qui parlent allemand ici peut-être, quoi. Une langue germanique, Aufstand des Gemeinen Mannes, le soulèvement de l'homme commun, d'accord ? Et l'essentiel, c'est le mot commun, de la communauté. Strictement au même moment, quoi, 6 ans avant que les Alsaciens et que les Bavarois, etc., Memmingen et compagnie, les Suisses allemands se soulèvent dans la révolte de l'homme commun. En Espagne, on a une autre grande, énorme révolte contre Charles Quint, de toutes les grandes villes castillanes. Et cette révolte s'appelle la révolte des Comunidades. Alors, en espagnol, on ne met jamais 2 consonnes de suite. C-O-M-U-N-I-A-D-E-S. Ou actuellement, on appelle ça les communautés, hein, les provinces en Espagne, d'accord ? La communauté valencienne, la communauté catalane, etc. Bien, les comuneros. Ça vous dit peut-être plus quelque chose. Ce sont les révoltés des Comunidades espagnoles, 1519-1521. Pendant 3 ans, c'est le désordre complet. La Respublica est mise en dessous. Charles Quint, lui, était parti se faire élire à empereur, etc. Eh bien, cette notion de communauté est fondamentale ici à comprendre. D'accord ? Et ce qui est en jeu dans les révoltes, c'est le bien commun de la communauté face aux dirigeants qui aussi s'estime défendre le bien commun, c'est normal, puisqu'il dirige, vous allez me le dire. Donc, ce sont des notions qui, à mon avis, sont quand même très, très importantes, et qui sont totalement distinctes des 3 grands régimes politiques. Là, on vous en cite 2 régimes politiques, un mauvais et un qui n'est pas automatiquement mauvais. Je vous cite un théoricien italien. Au cours de ces successions des républiques, le nom de populaire fut grand lors de la domination démocratique. Première fois qu'on entend le mot démocratique, je vous rappelle que c'est un mot grec. Le peuple étant le patron absolu. En un mot, il terrorise quand même l'aristocratie, qui est un autre type de régime politique. Il terrorise la monarchie qui a été défaite. Mais ce fut sous une domination insolente, non pas démocratique, non pas aristocratique, non pas monarchique, mais ce fut sous une domination insolente, comme si on mettait l'épée dans la main d'un furieux, puisque cette union populaire a l'habitude de vivre au hasard, d'autant plus qu'elle s'abaisse dans, alors un terme que vous ne connaissez pas, que vous connaissez très peu, qu'on utilise très peu, l'oclocratie. Alors la démocratie, ça peut aller, c'est le pouvoir du peuple, mais l'oclocratie, c'est le pouvoir de la foule, d'accord, en grec. Et ça, le pouvoir de la foule,
c'est être entre les mains de la bête, de la plèbe, ce qu'il y a de pire à Rome dans la Rome antique, mais c'est cet animal furieux, cet éléphant, etc. Et ça, on ne peut pas supporter. Donc, ne confondez pas les régimes politiques, démocratie, c'est la Suisse. Et les contemporains au XVIe, XVIIe siècle acceptent que la Suisse soit gouvernée par la démocratie. Et même les Provinces-Unies, on reconnaît souvent que c'est une relative démocratie. Non, Venise et Gênes ne sont pas des démocraties. Ce sont des républiques aristocratiques ou patriciennes. Et puis on a des aristocraties, hein, la Pologne, etc. Et puis on a des monarches. Tout ça, c'est des bons régimes politiques, sauf l'oclocratie, d'accord ? Pouvoir des foules. Et là, on sent quelque chose de mauvais. Donc voilà pour ce panorama, à peu près, de comment dire. Alors, je vais aller... Oui, il me reste une petite 20 minutes, si je ne me trompe pas. Je vous avais promis de vous parler des sources. J'arrive très tard sur les sources. Je me trompe ou pas ? Non, c'est trop ? Je regarde les animateurs. Vous me dites si c'est trop ou trop... Je ne veux pas non plus vous assommer. Peut-être c'est le cas. J'espère pas. Bon. Sur les sources, puisqu'on n'arrive pas à connaître tous ces mouvements qu'on ne sait pas comment appeler. D'accord ? Bien. On a une absence de sources. Cette absence de sources, elle est due aussi aux révoltés. On ne va pas être méchant avec les oppresseurs. Moi, j'aime bien de temps en temps les oppresseurs, surtout quand on a des palais avec je sais pas, des beaux tableaux. Ça me plaît beaucoup. C'est moins les oppresseurs que leurs tableaux, mais passons. Les révoltés incendient les châteaux. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Ce sont les révoltés qui détruisent bien souvent leurs propres archives. Entre autres parce que soit les archives sont des archives de terriers, de droits féodaux, que vous, des chartriers, que vous connaissez. Et donc, ils ne veulent pas qu'on ait le souvenir de cette chose-là, bien entendu. Mais aussi, ils détruisent les châteaux par haine. Quand je brûle un 4x4 BM, c'est pas que j'aime pas BM, mais c'est que c'est le symbole de la richesse et que moi, j'ai le RMI. Ça, je parle pas de moi, mais bon, on a le même sentiment de justice à faire comme ça, qu'on retrouve. Et puis, ces paysans, bien souvent, ou ces citadins de la plèbe urbaine, brûlent aussi très très souvent, vous verrez ça, c'est un standard, on brûle les prisons. Souvent, on ouvre les portes des prisons. Alors parce que le peuple, alors non pas parce que le peuple est un peuple de voyous, alors vous savez bien que tous ceux qui ont brûlé sont tous des voyous, c'est évident, ils ont des casiers judiciaires, on a montré qu'il n'y en a qu'une minorité actuellement, même à l'époque c'était la même chose, mais simplement parce que en prison, qu'est-ce qu'il y a ? Bien souvent, il y a les gens les plus pauvres, quoi. La délinquance, c'est rarement le fait des riches, ou alors c'est pas la même délinquance. Hein, dans ce cas-là, je suis arrêté au Japon avec quelques millions de détournements, mais je ne suis pas, d'accord ? Donc on a ces choses-là. Et on a cette économie souterraine de contrebande. Non, je suis contre le trafic de drogue, bien entendu, c'est une évidence. Ça tue des jeunes, etc. Mais il n'empêche, qu'est-ce qui tombe dedans ? Bon, c'est... Voilà, je passe là-dessus. Donc, les prisons à Naples, on libère immédiatement les prisons. Lors de la Révolution française, qu'est-ce qu'on va faire ? On libère les prisons, sauf comme au mois d'août 92, où ce sont les ci-devants qui sont dedans. Et là, on massacre les prisonniers. C'est atroce, hein, bien entendu. Donc, tout massacre est atroce. J'espère que vous, on en est bien convaincus. Donc, c'est important. Alors, je crois que... Bon, oui, voilà. Non. Il y a quelques intellectuels qui font partie parfois des révoltes. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur un intellectuel. Giuseppe Donzelli, c'est quelqu'un qui était plutôt spécialiste dans l'anatomie et dans ce qu'on appellerait de nos jours l'herboristerie, si on veut, là-dessus. Et Donzelli est du côté du peuple napolitain au moment de la révolte. Et il nous écrit « Avec les tumultes populaires, je recueillerai l'ensemble, ensemble ceux de ma mémoire troublée, comme je saurais conclure du vacarme de cette turbulence publique. » Et qu'est-ce qu'il fait ? Il écrit un livre. Dès le mois de décembre 1947, la révolte n'est écrasée que 5 mois plus tard, il écrit un livre qui s'appelle « Parthénope libérée », c'est-à-dire Naples, ou « Vrai récit de l'héroïque révolution faite par le peuple de Naples pour se soustraire et tout le royaume de l'insupportable joug des Espagnols. » D'accord ? Naples avait un roi qui était Philippe IV d'Espagne. Vous le savez peut-être, c'est une vice-royauté. Voilà un intellectuel qui se met au service du peuple. Vous allez dire, c'est une tradition en Italie. Il y avait déjà Gramsci. Mais bon, si Gramsci est au service du peuple, je ne sais pas, du moins il est mort en prison. Donc, peu de sources, mais on peut en trouver parfois. Dans ces cas-là, c'est un coup de chance. Bien souvent, on a une damnation mémorielle. Qu'est-ce que c'est que la damnation mémorielle ? C'est la fameuse damnation memoriae des Latins. Lorsqu'il y a un mouvement populaire, que font les dirigeants de la République romaine, plus qu'encore qu'au principat ? Eh bien, on va interdire de parler du souvenir même des révoltés. La discorde dans la République, la sédition dans la Respublica, doit être bannie
des mémoires. Il faut effacer toute trace de passage sur Terre. Alors, c'est connu à Rome, mais dans la révolte napolitaine, par exemple, la maison de Bassanello est détruite lorsque le vice-roi revient et on met du sel dessus. Quand on fait le geste antique des Romains, ça ne pose pas de problème. En même temps, ça pose un problème, moi, intellectuellement, ça me pose un problème. Parce qu'il faut absolument une amnistie, d'accord, des faits. Que ce soit après, parce que les oppresseurs ont gagné, ou que ce soit les révolutionnaires qui ont gagné, l'amnistie est indispensable. Faites attention, pensez bien à cela. On est dans une idéologie, à mon avis, alors c'est un débat à avoir, c'est un anachronisme que je fais volontairement, mais on est dans une idéologie victimaire, actuellement on a une sorte de culte des victimes, on a besoin des amnisties. La mémoire ne peut pas être conservée, la mémoire de toutes les victimes, c'est atroce de dire ça, surtout qu'on est soi-même victime, mais l'importance des amnisties est essentielle, et ça s'oppose à la volonté de faire expier l'injustice aux puissants, par exemple. C'est une vraie question qui se pose là-dessus. On ne garde généralement pas d'image, d'iconographie des désordres. C'est pour ça que je vous en montre avec un grand plaisir. Et là, je me fais un peu de pub, mais c'est pas que je me fais de la pub, c'est que j'ai eu énormément de chance de trouver des images de la révolte. Ici, c'est un manuscrit, c'est l'économe. Alors, allez tous à Naples, hein. C'est la plus belle ville du monde avec Venise. Et sur la place Saint-Dominique de Naples, vous avez le grand couvent dominicain où était entre autres... Le dominicain calabrais dont je vous ai parlé, excusez-moi, c'est terrible de se dire. Bon, passons. Et l'économe de ce monastère écrit tout le récit, et en plus, à chaque fois, il met des petites vignettes comme ça, c'est sympa, quoi. Ça se trouve en ligne sur la bibliothèque de Bologne. Le problème, moi, je me suis dit, chouette, j'ai trouvé un portrait de Masaniello. Pas de chance, je trouve, dans un autre manuscrit qui se trouve à Naples et à Paris en copie, un portrait de Masaniello ici, c'est marqué Thomas Agnello de Amalfi. La tenue correspond, le chapeau correspond. Mais le portrait, ça devient de pire en pire. Et puis ici, deux peintres, deux grands peintres napolitains. Vous savez tous que la peinture napolitaine du XVIIe siècle est l'une des plus grandes peintures. Hein. Caravage a peint à Naples. Je passe là-dessus. Bon. Et les deux autres portraits d'Andrea de Leone et d'Agnello Falcone ne se ressemblent pas. Et puis c'est plutôt même du stéréotype, ça. On a un type en train de crier, ça y est, on retrouve le meneur qui hurle, qui est lourd, etc. C'est peut-être vrai, hein, mais j'en sais rien. En un mot, j'ai bien les images, mais elles ne ressemblent pas. Enfin, du moins, je ne peux pas dire ça ressemble ou pas à la réalité. Alors, j'ai envie de plagier Marc Bloch. Marc Bloch disait à propos de Robespierre, par pitié, dites-nous simplement quel fut Robespierre. Et on ne sait pas qui est Robespierre, même encore de nos jours. Voyez les polémiques. Je me suis arrêté à la station de métro Robespierre à Montreuil. C'était jusqu'aux années 40 l'un des grands personnages de la Révolution française. Maintenant, ça devient le sanguinaire révolutionnaire. Et à titre d'exemple, comme Masaniello, si je ne me trompe pas, il faudrait relire le bouquin, mais j'ai en partie oublié, il y a un bouquin de Bosque et Bellissa, qui nous dit qu'on n'a pas de vrai portrait de Robespierre. L'image de Robespierre qui circule est une image posthume de Robespierre. Et donc, on va vous le montrer extrêmement froid, dur et compagnie. Est-ce que c'était le cas ? Bon, je passe là-dessus, mais l'image est extrêmement compliquée. Même chose, exemple, moi j'adore cette gravure qui est reproduite ici. C'est une gravure de Charles Ier, on le sait. Là, il n'y a pas de problème, ça ressemble un peu à une peinture de Van Dyck où on voit Charles Ier. Portrait équestre, pas de problème. On a conservé au British Museum la même gravure grattée. Vous avez compris pourquoi, on ne veut plus voir la tête du roi. Et puis, on a vu, alors je ne sais pas qui c'est malheureusement, le réemploi de cette gravure. On a toujours l'eau forte, le cuivre qui est là. Et on met un autre portrait. Vous voyez, il a une tête qui ne tient pas très bien, quand même, je trouve. Hein. Mais bon, on a tenté d'en faire ce qu'on... Alors, quelle est la vraie image ? Alors, si on le devine maintenant, c'est chronologiquement, on le sait. Mais ça pose un problème ici. Puis, dernier problème, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une image noble. Et non, excusez-moi, je pense en même temps. Qu'est-ce que c'est qu'un support noble ? Là, la peinture de Van Dyck, une peinture, ça coûte extrêmement cher. Beaucoup moins cher que des bijoux ou de la vaisselle. Mais c'est quand même onéreux. Un pauvre n'a pas de peinture chez lui. Une gravure, oui. Et puis, on a des gravures de piètre qualité. Alors, j'en ai retrouvé pour Naples, mais malheureusement, on n'a pas le document. Un prêtre très dévot à San Gennaro, le saint patron de Naples, Saint Janvier, fit imprimer l'effigie de ce saint. Il fit faire un tirage de 2000 exemplaires en gravure. Hein, mauvaise qualité certainement, mais bon. Les répandant dans toute la ville de Naples, lesquels furent affichés dans les maisons, aux fenêtres et autres lieux publics. Ce fut un miracle, alors un saint, ça fait toujours des miracles, c'est normal, que là où ils furent apposés, où ils furent placés, il n'y eut pas de dommages,
Quoique ces lieux, dans ces lieux, il y eut beaucoup de tirs. On est au moment du bombardement de la ville par l'armada, la flotte espagnole qui veut reprendre la ville. Vous mettez 20 grands navires avec 20 bouches de canon, vous avez le feu qui est tiré, la ville de Naples reçoit ça. Que nous dit ce témoignage ? Vous mettez ça, un petit Saint Gennaro, à la fenêtre, les boulets tombent ailleurs. Hein. D'accord ? C'est fantastique, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça serait super. Alors moi, j'aurais bien aimé trouver maintenant l'image, alors il nous dit un peu plus loin, on fit même encore 3000 autres exemplaires. 5000 exemplaires, il n'en reste pas un seul. Alors c'est normal, les supports non nobles, on ne les conserve pas. Qui conserve chez soi les prospectus pour, je ne sais pas, un burger ou je ne sais pas trop. Non, on s'en fiche, on ne conserve pas ça. Vous conservez tous les tracts que vous recevez à l'entrée de la fac ? Non, d'accord ? Donc là, de la même manière, tous ces documents, on ne les a pas, alors qu'on a les proclamations, on a toutes ces choses-là. En un mot, on n'a pas beaucoup de sources, généralement, pour les révoltes, et je peux le confirmer. Alors, pour ma part, alors, puisqu'on est à la forge de l'histoire, j'ai demandé un petit peu à ma jeune collègue si je pouvais faire cela. Je vais vous parler un peu de moi, quand pas de moi, c'est pas très intéressant moi-même, mais entre autres mes travaux, comment on travaille quand on fait de l'histoire et pourquoi on travaille comme ça. Personnellement, j'ai jamais voulu travailler sur Naples, j'ai fait une thèse sur l'Espagne et je voulais travailler sur les révoltes. Et en Espagne, j'avais trouvé des belles révoltes à Séville. Alors, en plus, Séville, c'est pas mal de partir là-bas travailler, vous voyez ce que je veux dire ? Bon, c'est sympa. Et Séville, Cordoue, Grenade, il y avait des révoltes, des soyeux. Il y a eu un très joli massacre au mois de mai 1848, si je ne me trompe pas. On a massacré des soyeux qui étaient au chômage, évidemment. C'était la crise, 48, il y a une grande vague d'épidémie. Bon, et je me dis, chouette. Mais en même temps, continuer uniquement sur l'Espagne, c'est bien, mais j'ai un peu la bougeotte. Je vais choisir un autre port. Vous savez que Séville, c'est comme le port de l'Amérique. Un autre port, comme je travaille à Caen, j'ai des étudiants, il faut trouver des sujets de master. On va travailler sur la Normandie. Rouen, c'est un joli port. Il y a la Fronde. C'est 148 à Séville, c'est 148 à Rouen, la Fronde. Magnifique, je vais commencer. J'ai même fait un article sur les mazarinades normandes. C'était génial, j'étais content. Troisième lieu, j'ai un peu la bougeotte. Chez Knapp, j'étais déjà allé, c'est la plus belle ville du monde, je vous l'ai déjà dit. C'est le bazar intégral, mais c'est pas grave. Bon, et je vais à Naples. Et puis à Naples, horreur, qu'est-ce que je vois ? Je découvre qu'il y a 290 manuscrits qui racontent cette histoire de Naples, de la révolte de Masaniello. 290, 450 en comptant les copies. Je vais au musée, qu'est-ce que je vois ? Les images que je vous montre, il y en a un petit peu plus. Hein. Alors, je ne fais pas de pub pour le bouquin, mais vous en trouverez un peu plus dans le bouquin. Non, il y a d'autres livres. Allez sur le site de la bibliothèque de Bologne, vous avez l'histoire de Masaniello et toutes les images, c'est fantastique. En un mot, 259 édits révolutionnaires sont imprimés. Et j'y retrouve. Et, alors, il y a déjà eu un bouquin là-dessus qui a été fait en 1981 par un Italien, ça n'a jamais été traduit en dehors de l'italien. Et ben, je me dis, je vais arrêter de travailler sur la Normandie, parce que c'est bien ce qui se passe à Rouen, mais ça concerne la noblesse, les parlementaires. C'est pas que j'aime pas ces gens-là, mais c'est pas le même sujet. Séville, c'est bien. Ben, j'y retournerai un jour. D'ailleurs, j'y suis retourné, ça tombe bien. Et je vais aller à Naples. Et donc, j'ai travaillé pendant 6-7 ans sur Naples. Effectivement, entre autres, à cause des sources. Alors, je peux vous donner un autre exemple. Mon collègue Stéphane Affmeyer vient de faire une habilitation à diriger des recherches. C'est ce qui permet d'être professeur. Moi, j'ai fait Naples. Lui, il a fait l'Angleterre. Et on a de numériser toute la correspondance d'un Allemand réfugié en Angleterre au moment de la Révolution. Des milliers de lettres d'Artlieb, et il a fait sa thèse à partir de ces lettres-là. Alors, on a un grand nombre de sources, c'est relativement rare, et des fois, on a peu de sources. Ce qui fait que, par exemple, pour les révoltes sévillanes, andalouses, il y a un collègue américain qui a fait sa thèse là-dessus. Bon, je ne l'ai pas plaint parce que je suis poli, je l'ai félicité, mais il n'a pas de chance, il n'y a pas beaucoup de sources. D'accord. Alors, donc ça, ce sont les coups de chance pour les historiens. C'est vraiment que des coups de chance, si je ne me trompe pas. Alors voilà, bon, un exemple des 10 qu'on retrouve, je vous ai dit qu'il y en a 260, 259 exactement, ici. Dernière chose, qu'est-ce qu'un programme de recherche ? Si je ne me trompe pas, il me reste 5 minutes. Bon, qu'est-ce qu'un programme de recherche ? Après avoir fait ce bouquin-là, avec des amis, des collègues, on travaille souvent par affinité, d'accord ? J'ai rencontré un collègue italien à Naples, avec qui je me suis bien entendu, il travaillait sur des sujets de révolte, donc on a travaillé ensemble, il y a un collègue allemand aussi, etc. On s'est dit, ça serait bien, on n'a pas vraiment travaillé sur les révoltes depuis les années 80, d'accord ? Depuis le bouquin d'Yves-Marie Berset, si, sur la Révolution française, beaucoup, mais c'est du stéréotypé, c'est la polémique, les gens de droite... Excusez-moi de dire ça comme ça caricaturalement, François Furet dans la lignée de Roland Mounier et contre Porcheneff et dans la lignée Soboul et puis Vauvel,
Nous, on a envie de faire autre chose, d'accord ? Bon, c'est quand même 25 ans qu'a eu lieu le bicentenaire de la Révolution. On peut peut-être réfléchir différemment. Puis travailler, moi, j'ai un peu envie de travailler avec l'étranger, parce que la France est le plus beau pays du monde, mais l'étranger aussi. Donc, c'est bien de sortir du pays, donc c'est une bonne chose. De fait, on a cherché tous les éléments nouveaux qu'on pourrait appliquer à une étude des révoltes. Et on s'est dit, on a les apports d'Yves-Marie Berset, de Rudet, de Lefebvre, sur ce qu'on appelle l'anthropologie historique. Les gestes, l'écrit, l'oralité, les corps, comment ça se place, les rites, d'accord ? Tout ça, ça rentre dans l'étude. C'est peu étudié, quand même. On connaît quasiment pas d'études. Je crois que Pronov, je suis le premier à l'avoir fait, quand même. Donc, et puis, mon collègue Affmeyer sur l'Angleterre, et puis plein d'autres gens sur d'autres choses. Passons là-dessus. On a tenté de chercher d'autres éléments. Il nous semble que tout le courant historiographique en France, lancé par Roger Chartier, que vous connaissez certainement, hein, l'histoire d'écrit, oui, ça vous dit quelque chose ? Chartier, non. Où on montre que ces documents écrits, on va vous dire, oui, mais les pauvres ne savent pas lire. Bien sûr qu'ils ne savent pas lire, les pauvres. Mais qui est-ce qui leur lit ? Il y a toujours une ou deux personnes qui sait lire. Et on annonce. Moi, je suis sidéré. Quand je fais un dernier sujet, là, dernièrement, c'est fini. Bon, et je vois dans la moindre paroisse espagnole au bout du monde, on placarde des textes, entre autres pour trouver de l'argent, et passons, sur la porte des églises. Et c'est lu. Et tout le monde est informé, d'accord ? Par contre, ça passe par l'oralité. Et Roger Chartier a bien montré qu'on a une perméabilité très forte de l'écrit. C'est-à-dire que tout le monde est au courant de l'écrit. C'est pas vrai, d'accord ? Que l'écrit ne passe pas. Il n'y a pas une culture populaire d'un bloc et une culture des élites de l'autre. On a une perméabilité extrêmement forte qui existe. Alors, Chartier en France, Bahoussa en Espagne, Armando Petrucci en Italie, tout ça sont des gens qui, depuis les 30 dernières années, ont secoué le cocotier de l'écrit. On s'est dit, mais pour nos révoltes, on ne peut pas trouver des choses et on a trouvé un certain nombre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Ben, on a coupé l'histoire en tranches. On a coupé l'histoire en tranches, excusez-moi, les prédécesseurs, je vous les passe ici, parce que je ne vais pas avoir le temps autrement. L'anthropologie historique, je vous en ai parlé. Tim Harris, quand même, c'est quelqu'un d'important qui a travaillé sur la foule en Angleterre dans les révolutions anglaises. Vous savez tous que le siècle des révolutions, ce n'est pas le 18e. Il n'y a pas de 18e ici, j'espère. C'est le 17e. L'Angleterre, la Fronde, Naples, la Catalogne, le Portugal, etc. Bon, je blague en disant ça, évidemment, je fais la concurrence à mes collègues. Le bicentenaire est important. Oui, je n'ai pas parlé de Daniel Roche qui parle de History from Below. Ça fait très chic. Mais on va le dire en allemand, ça serait mieux, mais j'en suis bien incapable. Quoi, l'histoire d'en bas, bon, je passe là-dessus. Peter Burke, l'histoire culturelle, je ne vous en parle pas. Et tout ça, ça fait qu'il faut prendre en compte les vecteurs des médias, ce qui forge les discours. Je vous l'ai dit, entre autres, les papiers, des dessins qu'on retrouve pas, hein, d'accord, bon, ici. Et donc, on a découpé l'histoire en 6 thèmes. On a eu de la chance, quoi, d'abord. Il faut savoir que l'université française est pauvre, quoi, beaucoup plus riche que dans d'autres continents, et pauvre par rapport à ce qu'on voudrait avoir, nous. Et on a eu la chance d'avoir ce qu'on appelle un programme de l'Agence nationale pour la recherche, qui nous a donné, on va dire, beaucoup d'argent, c'est vrai. On était une trentaine à travailler sur 3 ans. Là, ça fait déjà beaucoup moins d'argent. Mais bon, ça nous a permis de ne pas travailler, de pas payer pour travailler. Pas travailler pour être payé, non, ça ne marche pas. Mais de ne pas payer pour travailler quand on va à l'étranger. Et on a découpé 6 thèmes, et ça nous a permis finalement de faire de publier des choses, etc. Premier thème, on a travaillé sur les mots et les gestes des révoltes. Oui, il y a des gestes stéréotypés qui sont attribués, oui, par les puissants, oui, par l'iconographie, oui, par les pauvres même, quand les pauvres, par les manifestants eux-mêmes. Ça a donné lieu à un numéro spécial qui est publié. Excusez-moi, j'ai honte, j'ai pas été chercher la bonne couverture et je ne l'ai pas trouvé parce que il faut avoir, les revues sont gratuites au bout de 3 ans, pas au bout de, et donc j'ai pris une gravure que j'ai trouvée. Bon, point final. Il y a un numéro spécial dirigé par mon collègue de la Sorbonne, Stéphane Géto, là-dessus, et Géto qui bosse sur l'Angleterre et Gauthier Aubert qui travaille sur les bonnets rouges à Caen. Mais ils ont fait tout un numéro sur quels sont les gestes de la révolte ici. On a fait une histoire culturelle aussi de l'iconographie des révoltes. Alors moi, je suis très content, c'est un petit peu moi qui l'ai animé. On a fait un colloque fantastique à Paris, à la Bibliothèque Mazarine, colloque international, où on a, vous retrouvez des images, et puis il y en a d'autres ici, vous reconnaissez la Fronde en bas, je pense, ça pose pas de problème. Colloque, ça a donné lieu aussi à une exposition pendant 4 mois, 3 mois, à la Bibliothèque Mazarine, et un gros bouquin. Je ne voulais pas apporter parce que, un, j'en ai plus, et puis deux, il fait 3 kilos. Et vous avez
les images des révoltes dans le livre et les stampes là-dessus. Donc, ça nous a, alors, ça, c'est pas en une journée un bouquin. Hein. C'est un projet qui est, commence en 2010, d'accord ? Et le bouquin est sorti en 2016, d'accord ? Donc, ça demande du temps à chaque fois. Puis écrire un texte, ça paraît facile. Bon, c'est comme une disserte, mais ça se fait pas en 4 heures, c'est qui est dommage. Troisième thème, on a voulu travailler sur la propagande, les communications, les diffusions et circulation des productions culturelles en temps de révolte. Et ça a donné lieu à un bouquin que je laisserai ici. Alors ça, c'est un gros bouquin. Il y a tout un dossier de 8 ou 9 articles sur comment les médias... Le vecteur de la communication est fondamental. Alors moi, les gens rigolent parce que j'ai le même téléphone que Louis XIV. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir Internet, je ne peux rien avoir. Alors que, vous le savez tous, le média Internet, c'est essentiel que les réseaux sociaux. Bon, quoi, c'est essentiel, pas pour tout le monde, la preuve, mais bon. Et là, c'est pareil, les médias sous la Révolution, c'est essentiel. Le type de papier, le placard, le tavolato, l'estrade pour parler. Et on a toute une étude, les gazettes, qui tient les gazettes, comment c'est financé, etc. Toute une étude sur la transmission de ces choses-là. En plus, pour s'amuser, Stéphane Hafmeyer a co-organisé un grand dossier sur les mazarinades dans un autre volume que je n'ai pas apporté. Quatrième élément, l'espace a un rôle fondamental dans les révoltes. Quoi, vous le savez, moi je suis tranquille. Quoi. Si vous habitez dans le 11e arrondissement, le 18e ou le 19e, allez-y, vous pouvez laisser votre voiture dehors, ça risque rien. Ne garez pas votre voiture sur les Champs-Élysées, hein, d'accord ? Bon, et c'est pas un hasard. Le lieu est fondamental, d'accord ? Même le lieu, la place du marché, vous le savez, c'est fondamental. Dans ce volume-là, sur territoire, lieu, espace de la révolte, on a un certain nombre d'études, 7-8 études, qui montrent comment l'espace lui-même est acteur de la révolte. Vous le savez bien, si vous voulez manifester, évitez dans le désert, c'est une évidence, mais bon. Et il y a des lieux... clés, des lieux fondamentaux, des lieux de pouvoir, des lieux symboliques, etc. Études là-dessus. Cinquième et avant-dernier thème, excusez-moi, voilà le bouquin, vous l'avez ici. Cinquième et dernier thème, raconter les révoltes. Il y a un art du récit qui a fait l'objet d'une journée d'études qui se passait à Rennes, si je ne me trompe pas, en juin 2016, avec des collègues différents. Vous voyez, il y a ici Worcester, ça va être en Angleterre, ça vous semble aussi, si je ne me trompe pas, Fribourg, ah ça ne va pas être en Angleterre, etc. Ça a donné lieu aussi à un numéro spécial de la revue du XVIIe siècle. Donc, lisez-le si vous voulez voir comment on raconte les révoltes, sur quel mode, etc. Dernier exemple, excusez-moi, j'ai un peu vite, forme et enjeu de la mémoire des révoltes, comme quoi on a toujours ce qu'on appelle un rejeu de la mémoire. Notre mémoire transforme sans arrêt, au gré des besoins de notre présent, on transforme la mémoire des révoltes. Et alors, il y a une histoire de la mémoire, vous le savez, je pense, qu'on le connaît bien pour la guerre de 40, avec les travaux d'Henri Rousseau, mais on a toute une mémoire des révoltes qui est totalement modifiée. Par exemple, quels sont les deux grands modèles lors de la Révolution française ? C'est d'une part le modèle romain, et d'autre part le modèle anglais. Eux, ils ont une monarchie constitutionnelle, et quelles sont les histoires de révolution? Et Chateaubriand fait une histoire de révolution après la Révolution française. Il donne comme modèle la Révolution anglaise, évidemment, qui, soi-disant, n'a pas été ensanglante, c'est complètement faux, mais c'est pas grave. On prend ce qui nous arrange généralement. Alors ça donnait lieu aussi des réunions, des publications. À Oxford, il y a eu deux, trois jours là-dessus. Ça donne lieu, excusez-moi, à un bouquin qui est paru en Angleterre. Le seul problème, c'est qu'on ne me l'a pas passé, même si je coordonnais le programme, parce que les bouquins en Angleterre, c'est bien, c'est 150 livres. Donc on ne vous donne pas le livre. Hein. Voilà, bon, je passe là-dessus. Et puis on s'est tous un petit peu fait plaisir en publiant, alors c'est là où on a de l'argent, on faisait ce qu'on voulait, en publiant notre dada, si je peux me permettre. Ici, on a voulu voir comment on traitait les révoltes au cinéma. Alors c'est pas étonnant, hein. En réalité, ce n'est pas l'histoire moderne, là, c'est l'histoire contemporaine. Quand un cinéaste va traiter de révolution, je pense au cinéma nord-américain, quand vous voyez sur les révolutions nord-américaines, les gentils, évidemment, c'est les insurgents, et les méchants, c'est les Anglais. Alors, ça nous fait plaisir, évidemment. Hein. Mais bon, je ne suis pas sûr que ça fasse plaisir aux talibans, mais ce n'est pas grave, etc. Donc, à chaque fois, on déforme. Alors, regardez le Danton de Vajda. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est fantastique. C'est au moment de la grande révolte polonaise de Solidarność. Et Jean Danton est le gentil, c'est le modéré, Robespierre, qui est une sorte
d'icône pour les communistes, et bien évidemment, va devenir la pire des personnalités. Mais c'est intéressant quand même de voir comment on montre tout ça. Il y a quelques films, malgré tout, qui tentent de faire un effort, mais il y a plein de choses intéressantes. Pour ma part, effectivement, vous l'avez mentionné, je me suis un peu plus penché sur le monde ibérique, puisque c'est mon dada, entre autres. Bon, il y a eu de très belles choses sur le théâtre au Portugal lors de la Révolution. Et puis, voilà, alors maintenant je pleure, parce que le projet est terminé. On n'a plus un centime pour travailler, et donc, on recommence à faire comme les collègues, je pense la plupart des collègues, on travaille avec des bouts de chandelle, mais c'est pas grave, c'est toujours amusant, parce qu'il y a toujours des étudiants, nous on s'amuse toujours, on travaille pas, puisqu'on fait de l'histoire, on travaille pas, quand on fait de l'histoire, on s'amuse, et je pense que vous amusez, mais j'ai la parole, laissez la parole à ceux qui veulent s'amuser à faire de l'histoire, je crois que c'est vous les animateurs, non ? Bon, je vous laisse la parole, et enfin, je me tais.